Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, vendredi 21 mai, le thème de l'édito sera « N'hésitons pas à parler à Jésus ». Nous allons nous intéresser à « Talking to Jesus », parler à Jésus en français, le nouveau titre du groupe de louanges américain Elevation Worship. Nous tournerons ensuite vers le Mozambique où un prêtre du diocèse de Pemba mène une action auprès des enfants déplacés. Avant d'évoquer le cessez-le-feu qui a été annoncé ce matin entre le Hamas palestinien et l'État d'Israël. Pour finir avec l'enclave hispanique de Ceuta qui fait actuellement face à un afflux migratoire sans précédent. Talking to Jesus ou parler à Jésus en français, c'est le titre d'un nouveau chant de louange du groupe américain Elevation Worship. Un morceau qui nous parle de la transmission de la foi dans la famille et nous invite à parler à Jésus, cet ami fidèle. Vous pourrez trouver les paroles de ce chant traduites en français sur le site d'Info Chrétienne. Transmettre l'amour de Jésus peut parfois se faire sous une forme étonnante. Edgar Silva Jr., prêtre au diocèse de Pemba, au Mozambique, prend soin des enfants qui ont fui les violences du Cabo Delgado, des enfants déplacés qui ont vécu de lourds traumatismes. Pour dialoguer avec eux, le prêtre utilise des marionnettes, une initiative innovante qui a fait ses preuves. Deux autres actualités du jour nous invitent à parler à Jésus, en d'autres termes, à prier. Après plus de 10 jours de conflit entre le Hamas dans la bande de Gaza et l'État hébreu, un cessez-le-feu a été déclaré ce vendredi à 2h du matin. Une trêve jugée fragile tant les affrontements de ces derniers jours ont ravivé les tensions dans cette région. Dans ce contexte, Bader Mansour de l'Association des Églises Baptistes d'Israël invite les chrétiens à prier pour les églises et pour les personnes touchées par ce conflit et propose 6 sujets de prière spécifiques. Plus de 8000 migrants ont débarqué à Ceuta, créant une crise migratoire sans précédent dans l'enclave hispanique. Des chrétiens évangéliques témoignent des tensions qui règnent dans la ville et de la souffrance des migrants. Ils lancent un appel à la prière. Des actualités qui doivent nous encourager à prier pour le Mozambique, pour le conflit entre Israël et la Palestine et pour la ville de Ceuta, mais qui doivent surtout nous inspirer à tout simplement parler à Jésus. Car comme nous le rappellent les paroles du chant d'Elevation Worship, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, ça n'a pas besoin d'être joli, il suffit simplement de laisser parler notre cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve mardi, je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte. Soyez bénis !